Voilà, ça c'est mon histoire, dit Viviane. J'ai voulu trop des choses de Merlin. Et maintenant, je suis condamnée à souffrir pour toute l'éternité. Les deux amis essaient de consoler la fée. C'est une histoire merveilleuse et tellement romantique, dit Anaïs. On dirait une légende. Parle-nous encore de Lancelot, s'il te plaît, implore Maxime. Pas maintenant. Une autre fois, répond doucement Viviane en les embrassant sur le front. C'est une autre longue histoire. Il est presque minuit. Je crois que vous devez aller vous coucher. Pendant la nuit, les deux jeunes font le même rêve. Ils sont à nouveau près de la fontaine de Barenton, et Viviane leur dit au revoir. Elle paraît moins triste maintenant. Elle s'éloigne en leur disant Soyez toujours purs et gardez toujours dans vos cœurs un peu de place pour vos rêves. Anaïs, où es-tu Maxime Maxime On entend partout des voix qui appellent. Les deux jeunes se réveillent ils sont allongés sous un arbre, près du panneau qui indique l'entrée de Brocéliande. Ils portent à nouveau leurs vêtements. C'est la voix de ma mère, dit Anaïs. Et celle de mon père ajoute Maxime. Ils, Ils sont, sont en train, train de, de nous, nous chercher. chercher. On, On est là crient les deux amis en chœur. Leurs parents sont tous là. Ils arrivent tous les quatre en courant. Où est-ce que vous étiez Il y a deux heures que nous vous cherchons. La mère d'Anaïs semble bouleversée. Mais quelle heure est-il Il est si tard demande Anaïs. Oui, il est très tard. Et ici, les portables ne marchent pas ajoute le père de Maxime. Nous nous sommes égarés dans la forêt explique Maxime. Égarés. Mais vous imaginez les dangers? <laughs> dit la mère de Maxime très inquiète. Anaïs et Maxime n'écoutent plus. Parmi les branches des arbres, ils ont l'impression d'apercevoir le visage blanc de Viviane. La fée sourit. Enfin. Voilà. Ça, c'est mon histoire, dit Viviane. J'ai voulu trop des choses de Merlin. Et maintenant, je suis condamnée à souffrir pour toute l'éternité. Les deux amis essaient de consoler la fée. C'est une histoire merveilleuse et tellement romantique, dit Anaïs. On dirait une légende. Parle-nous encore de Lancelot, s'il te plaît, implore Maxime. Pas maintenant. Une autre fois, répond doucement Viviane en les embrassant sur le front. C'est une autre longue histoire. Il est presque minuit. Je crois que vous devez aller vous coucher. Pendant la nuit, les deux jeunes font le même rêve. Ils sont à nouveau près de la fontaine de Barenton, et Viviane leur dit au revoir. Elle paraît moins triste maintenant. Elle s'éloigne en leur disant Soyez toujours purs et gardez toujours dans vos cœurs un peu de place pour vos rêves. Anaïs, où es-tu Maxime Maxime On entend partout des voix qui appellent. Les deux jeunes se réveillent ils sont allongés sous un arbre, près du panneau qui indique l'entrée de Brocéliande. Ils portent à nouveau leurs vêtements. C'est la voix de ma mère, dit Anaïs. Et celle de mon père ajoute Maxime. Ils, Ils sont, sont en, en train de, de nous, nous, chercher. nous chercher. On, On est là crient les deux amis en chœur. Leurs parents sont tous là. Ils arrivent tous les quatre en courant. Où est-ce que vous étiez Il y a deux heures que nous vous cherchons. La mère d'Anaïs semble bouleversée. Mais quelle heure est-il Il est si tard demande Anaïs. Oui, il est très tard. Et ici, les portables ne marchent pas ajoute le père de Maxime. Nous nous sommes égarés dans la forêt explique Maxime. Égarés, mais vous imaginez les dangers, <laughs> dit la mère de Maxime très inquiète. Anaïs et Maxime n'écoutent plus. Parmi les branches des arbres, ils ont l'impression d'apercevoir le visage blanc de Viviane. La fée sourit. Enfin,